Bonjour à toutes, à tous et bienvenue dans l'épisode 6, si je ne me trompe pas, de l'étoile dorée qui se porte un peu plus mal par les récents événements. J'ai réussi à prendre la capitale de Knossos, mais eux, ils ont réussi à me reprendre Sparte et je subis des assauts continus contre la ville de Poupuldeva au niveau architecture et voilà. J'ai dû engager un espion qui essaye donc de sauver ma ville maintenant. Ce qui est pas facile du tout. Alors ici, je dois recruter pour pouvoir aller reprendre la ville de Sparte. Une fois que j'aurai Sparte, je pourrai m'occuper de Rhodes. Et une fois que j'aurai Rhodes, eh ben, tout ira pour le mieux, je crois. Ici, c'est à qui? C'est pas les mêmes, donc ça va. Ceux-là, ils vont me casser les couilles, je le sens. Ça serait déjà qu'il me casse les couilles depuis tout à l'heure. Je vous préviens, je ne supporte pas le faible et les gentils. Ouais, j'ai que 10, donc voilà, je dois passer le tour. Maintenant, c'est le moment de vérité. On va voir tout ce qui va se passer. Ça va faire très mal. Je suis déjà à l'épisode 6. Alors que ça fait que 3 jours que je me suis mis à faire ces vidéos sur cette série-là. C'est un modeste cadeau de l'or. Il m'offre un traité de paix. Mais beaucoup l'apprécient. Et je suis sûr que vous en ferez autant. Pour garder Sparte. Pour garder Sparte. Non. J'ai besoin de Sparte, je suis désolé. En l'occurrence, ça m'aurait peut-être bien arrangé, mais... Enfin non, il faut que je prenne la Grèce. J'ai pas eu le choix. What? Il est mort? Il est mort. Ça m'arrange pas, ça. Un d'ordre public, ça peut être bien, ça. Dans ce coin-là, c'est ce que j'ai besoin. 11 tours. C'est déconné. Ouais, on va attendre encore un tour avant de faire quelque chose à Pella. Pella qui va essayer de reprendre Sparte. J'ai pas le choix. Eux, ils sont bien loin maintenant. Je crois que je peux sortir tranquille de la ville. Surtout qu'avec 10, ils ne pourront pas me faire grand chose, je crois. Alors que moi, il faut absolument que j'atterrisse là-bas. Donc, dans un tour, je serai sur les rivages de Rhodes et je vais les piller allègrement jusqu'à ce qu'ils attaquent mon armée. Une fois qu'ils auront attaqué mon armée, je la détruis. Je détruis la leur et ça ira beaucoup mieux. Bon, j'espère pouvoir les enfumer assez vite que je puisse continuer mes conquêtes. Par contre, ça serait bien que eux me demandent la paix. Et me donne du fric par la même occasion. Ça me ferait super plaisir. Athéna nous a inspirés dans sa sagesse. Je vous suggère d'écouter vous aussi ses conseils à ce propos. C'est pas faux, Athènes est juste à côté, donc Athéna aurait pu vous donner une... Mais... Statut de client, il pourrait se retourner quand même contre moi. Je rejette, je veux la ville. Je veux cette ville, à moins qu'il me donne énormément d'argent, le statut de client et tout le bazar qui va avec, je ne veux pas. Prêt pour la bataille. Donc. Coup critique, c'est ça qui est le mieux. Ici, ouais, je pourrais construire, c'est normal. Je vais donc faire quelques piquets à l'inothorax. J'ai pas envie de faire des peltas maintenant, il me faut plutôt des 3 comme ça, ça a l'air bien. Et le reste, des piquets à l'inothorax. Donc j'aurai 6 piquets à l'inothorax et 3 frondeurs dans 2 tours. Donc dans 2 tours, je vais attaquer Sparte. Sparte qui l'aura bien cherché, même si ce sont plus des Spartiates.
Ou oh, putain de merde. Retourne là-dedans, toi. Surtout que j'ai l'impression que c'est ça qui donnait tout le bonheur à la population. Présence militaire 20. Ouais. Et en plus, 10 tours. Une blague. Une monstrueuse blague. Donc, 2 tours. Allez, on va passer les 2 tours rapidement. Je vais pouvoir avoir un truc technologique en plus. Ça, c'est bien. Il me faut absolument du fric parce que sinon je ne vais rien pouvoir faire du tout. Et si je ne peux rien faire du tout, ça va me faire très mal quand ça va me tomber sur le coin de la gueule. C'est un modeste cadeau de l'or, mais beaucoup l'apprécient. Et je suis sûr que vous en ferez autant. Ils veulent pas, bah tant pis. Tant pis, dans un tour je vais vers eux. Donc à la limite c'est pas grave. Ok, ça me donnait quoi ça? Ouais, ok. Je vais faire ça et ensuite je me dirigerai vers mon économie. Donc ici ils se sont pas barrés, ils vont venir m'attaquer avec ça. Laissez-moi rire. Vous. Vous allez me laisser rigoler. Je vais me foutre de leur gueule. S'ils arrivent en bateau, en plus, ça sera tout bénef pour moi. Ils vont se faire délapider. Oh, le... ça passe pas assez vite, ces trucs-là, hein, je trouve. Autant dans César en Gaule, ça me paraît vachement rapide. Autant ici, ça passe pas, hein. Lui, il va venir emmerder Pella, ça j'aime pas. Rang supérieur. Eh ben dis-moi, t'arrêtes pas de prendre de gratte, toi. Donc, plus 1 d'autorité, moins 20 d'ordre public. Inspirer l'agitation. Inspecter les ordres. Plus 1 d'information sur découvert de l'ennemi. Plus 10% de chance de manipuler avec succès. Plus 10% de chance de réussir un assassinat. Ouais, ça me paraît pas mal, collaboration. Bien! J'ai 3000 de fric. Est-ce que je peux construire quelque chose? Oui, je pourrais faire ça. Allez, je le fais. Toi, t'as fini de recruter, tu vas là-bas. Et ici, pour pas avoir un trop gros désordre, je ne peux pas. Merde. Ah non, c'est en bas qu'il faut... mais je ne pourrais pas non plus. Et vous allez où? Ouais, bon, tant pis. Il me faut combien de tours avant d'arriver là-bas? 2 tours? Pas de problème. Ça me fera 2 tours de fric en plus. C'est bien, ça. Une fois que j'aurai Sparte... ça sera nettement plus facile, normalement. Athènes qui ne bouge pas. Ils sont chiants, d'ailleurs, à ce niveau-là. Ça aurait été beaucoup plus simple s'ils pouvaient bouger. Pour venir m'aider, genre. C'est un exemple, hein. Pas obligé. Un incendie. Putain de vase cramé en enfer, saloperie de pute de merde. Comment se fait-il que je ne les attrape pas alors que j'ai un super agent? Ils sont chiants. Je m'occuperai du cas de ces putains de barbares après. C'est une blague. 10, 8, 4. Vous allez piller les gens. Embuscade, mode raid. Ok, je mettrai un mode raid après. Red Def. Ok. Je n'ai absolument rien à faire. Ça aurait été
beaucoup plus simple si j'avais attendu d'avoir plein d'armées pour pouvoir venir les éclater leur gueule. Mais je ne l'ai pas fait parce que je suis pressé. Et qui se presse, compresse. Qu'est-ce que je raconte comme connerie ? Là, il me faut un recruteur d'armée. Ouh ! Et c'est... Ils sont bien sortis, mais trop près de la ville, en fait. Cessez le combat ! Destination atteinte. Ouais, c'est ça, ouais. Viens te friter avec Athènes, ça c'est une bonne solution, tiens. En fait, Athènes est en guerre contre eux ou pas ? Arménie. C'est qui l'Arménie ? Ils sont où les Arméniens ? Je sais pas où elle est l'Arménie. C'est bizarre. Bah, il serait temps que vous les pétiez ceux-là, hein, parce que là, ils m'emmerdent un peu. Je suis sûr que vous avez d'autres plaisanteries en réserve, mais ne vous embêtez pas. Parlez crûment, sans fioriture. D'accord. La paix n'est pas à notre goût. D'accord. Eh ben, j'espère qu'ils vont venir nous aider, hein. On va attaquer un petit fort. Je suis pas sûr que je sois de taille. On va faire une petite sauvegarde rapide au cas où il faudrait que je me sauve à la place. Et on se retrouve direct dans le combat. Voilà, ellipse. Et nous revoilà donc en bataille. Nous devons prendre ce maudit fort. Je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre parce que c'est la première fois que j'attaque un fort. Ou la deuxième, je sais plus. J'ai déjà vu une attaque de fort avec un de mes copains, mais j'en ai jamais fait. Donc je sais pas trop comment ça marche. Quand nous prendrons ce lieu, ce sera un coup dur pour nos ennemis et leurs ambitions. La gloire et le butin que nous gagnons ne sont que délices. Les renforts ennemis sont en approche. Une fois que nous serons dans l'enceinte, faites comme bon vous semble. Maintenant, aux armes. Allez, aux armes les gens. Groupe de combat paré. Général, vos ordres. J'ai vu un deuxième groupe de combat. Voilà. Ils font que dalle. Oula. Bon, bah, avancez comme ça alors. Ils sont où leur renfort là? Ils arrivent de où les renforts? Putain. Je vois pas leur renfort, ça m'énerve. Ça tombe, c'est derrière le fort. Et ils vont tous se regrouper là-dedans, fait chier. Ah, il y a des tours à péter aussi. Ou alors si je prends les tours, ça pourrait me donner peut-être un avantage. Je ne sais pas, faudra voir. À voir, à voir. N'empêche, j'ai mes fameux piquets... Piqué, comment déjà? L'inothorax. Piqué à l'inothorax qui vont m'aider fortement, normalement. Bon, y a que de la merde dedans. Donc, bah, on va faire une grosse putain d'attaque. Général. Allez, rentrez-moi là-dedans. Et vous, vous allez tranquillou. Allez là. Tranquillou, j'ai dit. Les autres courent, mais vous, vous devez pas arriver avant eux là. Parce que sinon, vous allez vous prendre toutes les flèches et vous allez crever comme des grosses merdes. Le but, c'est de prendre le fort. Putain, c'est des flèches de feu en plus. Voilà, ils sont commencés à se faire tirer dessus, alors maintenant, grouillez-vous. J'espère juste que leurs renforts ne vont pas arriver avant les mois. Ok. Tirez-moi là-dessus. Oulala, putain, on prend cher. Ah non, on prend rien du tout en fait. On prend que dalle. Ça fait plaisir. En même temps, j'ai des unités super lourdes.
What the fucking god? Ils sont nombreux, ces connards. Des pitiés contre de la cavalerie, ça risque d'être intéressant, ça. Ça aurait été mieux si j'avais eu ma... Je ne l'ai pas. Oula, et ils prennent cher quand même. 72% de santé. Alors, regardons un peu plus à l'intérieur. C'est les portes qui se prennent tout le feu, chier, merde. Oula, non, 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 non. Tirez-moi là-dessus. Enfin, quoique, on pourrait faire autre chose. Au pas de course. Général. Toi, inspire les gens. Lui. Second souffle. Lui. Cri de guerre. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Infanterie lance projectile. Pour Zeus. Ils prennent cher, mes unités. Ici, les murs prennent cher. Je comprends pas ce qu'ils lancent. Ils lancent des torches ? Ah ouais. Et si je passe sur le côté, ça risque de leur faire mal quand même. Prenez trop mal là. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Gardez la vitesse. Grouillez-vous, grouillez-vous, grouillez-vous. Sinon, on tiendra jamais. Ils savent désormais même plus faire leur truc. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Et ils savent pas, ah, si ça, ils savent faire. Génial. Ah merde, non, leur formation phalange, ils peuvent pas le faire. Fuck. Non. Ça, c'est mauvais. Est-ce qu'on est occupé à gagner ? Ça se voit pas trop là. Grouillez-vous de rentrer là-dedans. Nous perdons du terrain. Sans blague, j'avais pas remarqué, tiens. Allez, mettez-vous en position. Plus vite, plus vite. Putain, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Ici, paré. En formation phalange. Maintenant, rentre-moi là-dedans. Alors, toi, tu vas prendre là-bas. Ces deux-là vont prendre ceci. Allez, pétez-moi ça. Je la sens mal, cette bataille. Mais vraiment super mal, quoi. Compris. À tes gosses.
hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte! Fuck. Je m'attendais pas à ça. Second souffle pour eux. Et inspiré pour eux. Piqué. Il faut absolument que je prenne ça. Une fois que j'aurai les tours, ça se passera beaucoup mieux. Parce que ces putains de tours m'ont fait mal. Le champ de bataille. Mais quelle honte! Quoi? Ils ont fui avant même d'apprendre le truc. À votre commandement, avancez ! Même vitesse ! Notre général est tombé. Quoi ? Oh non. Pour la gloire ! Ça se passe plus mal que ce que je pensais. Je vais perdre cette partie, mais comme un gros noob. Allez, prenez-moi ça. Prenez. Voilà. Nous avons capturé une tour. Piquez par le commandement. Piquez à l'inotorax. Prenons pas de course. Avant cadence. Engagement. C'est censé être pas de ses mieux maintenant, hein. Avancez ! Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte ! C'était vraiment pas prévu comme ça, quoi. Il y a encore beaucoup trop à pas... Je vais perdre une armée dans ce merdier. Nos hommes fuient le champ de bataille. Ça va être chaud pour rattraper ça. Qui a l'inotorax complètement mort. Dissolution du groupe de combat. Et voilà, défaite de justesse. Mon œil, ouais. Ils ont beaucoup moins de pertes que moi en même temps et je me suis attaqué à un fort, mais quel con. Bon, c'est pas grave. C'était à mon avis une vidéo de trop. Ah, au moins j'ai essayé. C'était trop nombreux. J'ai quand même fait pas mal de morts. L'air de rien. J'espère que je vais pouvoir récupérer une partie de l'armée, même si ça m'étonnerait un peu. Nous avons faim de bataille. Ouf. Trois piquets à l'inotorax, c'est tout ce qui reste. Compagnon à pied ou... Non, ceux-là. Allez, limite, là, celui-là, je m'en fous. Tu vas bien gentiment retourner là-bas. Ils ont quand même eu mal. Si c'est pas triste. Putain de merde. Ça m'énerve. Je m'y attendais pas. Je pensais que ça allait être plus simple que ça de rentrer dans un fort. Mais j'ai fait comme un gros boulet. Je savais même pas qu'on pouvait péter les murs. Si j'avais su, j'aurais pu faire un putain d'encerclement. Casse-toi. Retraite. Rassemblement de réserve. Et Athènes qui m'aide même pas, putain de Athènes de merde. Je vais devoir les payer pour qu'ils attaquent Sparte, quoi. Fuck. Perturbation. Ils ont pas l'air si perturbés que ça. Génial, je vais pouvoir... nourriture. Corruption. Boum. Et là, c'est quoi? Coût de construction des bâtiments. Bon. Ouais, venez m'aider. Vous avez... venez m'attaquer. Me tuer, moi. Qu'est-ce que je suis con.
Non, j'ai besoin d'argent pour faire cette armée-là. Cette armée-là qui, au final, c'est pas bien battu du tout. J'aurais pas imaginé une seule seconde que j'allais avoir autant de mal contre Knossos la première fois. Je pouvais à la limite comprendre contre Sparte, mais Knossos, alors là, première fois. Oh là là, je me suis fait super mal en plus. Ça se passe pas comme je l'aurais voulu. Mais en même temps, si je veux attendre que ça se passe bien... En supérieur. La peste en plus, putain de merde. J'aime pas ça, moi. Ah merde, j'aurais dû faire ça plutôt. J'aurais dû faire ça, mais bon, c'est pas grave. Bon, j'ai perdu bêtement une armée, mais c'est pas grave. Je vais faire avec. Je vais la reconstituer, hein. Ce sera le plus simple, je crois. Ils se sont tous barrés. Ils vont tous venir vers là-bas, hein. C'est génial. Avec Rod en plus, ça va faire une putain de baston. Donc vous... Vous allez me faire... ça. Non, je vais attendre un tour, le temps d'avoir un peu plus d'argent, après je me fais ça. C'est quand même mes piquets à l'inothorax qui ont fait tout le boulot lors de l'attaque du lors du siège du fort. Sans eux, j'aurais été inutile. J'ai été inutile. Je suis une grosse merde. Après ça, je déclare que je vais aller manger un mou et lire mes mangas. Enfin. Oui, venez m'attaquer, c'est ça, ouais. Alors, cette vidéo sera un peu plus longue que d'habitude ou... Non, en fait, je rigole. Je coupe cette vidéo-là et dans la vidéo suivante, on se tapera les Rodiens. Je sais pas si ça se dit. Bon, Rod. Qui doivent débarquer, ça va être marrant. Je vais les attendre sur la plage, ça va être assez chouette. Donc voilà, on se retrouve donc dans le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu, même si je me suis littéralement fait poutrer la gueule. On va revenir dans le jeu avec cette armée. À mon avis, c'est celle-là qui va tout faire. Je vais d'ailleurs... les feux de Phaistos. Ouais, c'est un bon nom, je trouve. Les marteaux de... Non, c'est pas un bon nom. les tueurs d'Arez. Ah, c'est bon ça comme nom, c'est pas mal. Mais bon. Donc, dans le prochain épisode, on va se faire de la castagne avec eux. Donc, moi, je vais laisser passer un tout petit temps, le temps de me refaire mentalement avant de refaire une autre vidéo. Et on se retrouve directement après. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, un commentaire pour faire ce que vous voulez. Et bah voilà, je crois que c'est bon, c'est tout. Ah oui, et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Merci à tous, au revoir. Et à la prochaine pour d'autres vidéos.